Salut à tous et à toutes, c'est Adam et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Yo la famille, yo Adam, encore en couple, on fait que des dégustations en couple. On est en couple. Donc là on va passer 24 heures. Adam il nous a dit nos repas qu'on allait manger. Il y a Sofiane derrière la caméra. Wesh, les ça gars. Fait grave longtemps on est venu le voir on tout ça. On va faire des trucs bien. On va bien manger les tiens. Ouais. Ça va, comment ça va? Ça va. Ta mère elle m'a ouvert, c'est juste pour te demander si tu sortais. Dentiste. Bande de menteurs, vous allez y aller faire une vidéo ou vous m'appelez pas? Je vous retiens, vous allez voir. Tu veux venir? Oui, bien sûr que je veux venir. Vas-y, viens, viens, viens. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire au moins? On va manger, t'es content? Alors là, le plaisir d'animer. Bon les gars, pour aujourd'hui, vous allez vous régaler. Alors vous allez commencer la journée par manger des bonnes pancakes avec du sirop d'érable, ça sera encore meilleur. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec des bons sushis. Voilà les gars, on va regrouper le petit déjeuner et le déjeuner ensemble, vu qu'on est quatre. Et on va manger une entrecôte au miel. Non, même pas. Adam, il a dit on va manger pancake sirop d'érable avec sushi. C'est carré. Moi, je suis plus sushi. T'es plus sushi, vous êtes sushi. De toute façon, c'est ce qu'on va faire. D'érable, ils aiment bien le sirop d'érable. On va prendre un plateau de dégustation pour tous et les pancakes pour tous. Donc là on est avec Sven, le spécialiste de sushi. Ou soit ce gros panier pour là c'est vraiment harag. Je pense qu'on va s'attaquer à celui de gauche. Okay. Parce que déjà ça va être pas mal. Ouais. On prend celui-là. Ouais. Tu peux voir les saveurs. Il y a pas mal de saveurs. Ouais, c'est bon. On a trouvé les pancakes. Ouais. C'est quoi le prix? Le prix 9,50€. Non c'est 2€. Ça va, c'est carré. Après je l'ai envoyé. T'as trouvé ou pas mon gars? Sirop d'érable, ça coûte combien? 3,20€. 3€? C'est pas très cher, fais voir, rapproche, c'est la première fois que j'en vois. Oh, il est collé. Oh non, prends-en un bien, s'il te plaît. Il y a de la colle bizarre dessus. Hop là. Voilà, c'est top. C'est là, parti. Regarde bien, là, il y a un bon Canadien. Ouais. C'est parti, les mecs, hein. À l'attaque. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent parler un peu québécois? Non, pas du tout. On va manger le pancake au sirop d'érable. Tu sais qu'il te ressemble de ouf, Adam, hein? Un petit peu. Merci, un petit peu, il y a des airs, on va dire ça en plus. Vas-y, sors les sushis. Une question, c'est quoi qu'il a dit en premier, pancake? Il a dit pancake, mais vas-y, on les prend en dessert au pire. Allez, sushis, on commence. On va commencer par les sushis, parce que là, regardez, il est quelle heure? Il est 14h. Si, il y a pas la sauce. C'est pas grave. Mais allez, s'il n'y a pas la sauce, de toute façon, c'est dégueulasse. Ouais, ça sent bien. On commence par. Attends, non, c'est Sofiane qui décide plus, c'est lui. Hein. Celui-là, il y en a trois, comme ça, chacun prend le même. Voilà. Celui-là, c'est votre meilleur. Non, c'est pas le meilleur, c'est l'un des meilleurs. Attends, on attend tout le monde. Ça va être incroyable. On sait très bien que c'est bon, c'est une valeur sûre. C'est une valeur sûre. Mais moi, les frères, je vous dis, dans tout ça, là. Le meilleur c'est ça avec la Crispy Crips. En plus, dans les Crispy Crips, il y a de la sauce. Tapez la Crispy Crips, là, je sais pas comment on dit. Vous allez péter un plomb. Il y a de la sauce, regardez. Venez voir. Venez voir. Il y a un peu de sauce. C'est parfait. Ah ouais. Vas-y, bismillah. Yad, est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes pas, genre? En quoi? Dans tout. T'aimes tout, t'es comme moi. Tout. Check. Les gens ils nous insultent, ils disent qu'on est des forceurs, mais nous on aime tout. C'est trop bon. Enfin, j'aime pas le mouton. Maintenant. Le mouton c'est bon, arrête. Quoi? Oh, c'est trop bon. Oh, le taré. Sofiane, t'aimes bien le mouton toi? Non. Voilà, moi c'est trop fort. Bah, Omar, le mouton, Omar, c'est... tu manges la ferme, c'est la même chose. C'est bon le mouton. Wow. Attends, moi j'ai pris mouton. T'inquiète, c'est la même. Bismillah. Regardez l'astuce, on a tout tabassé. On va mettre tout ça dedans. Oh, accident. Arrêtez de vous moquer, c'est pas marrant. Toi, arrête de te moquer, ça l'enflure. Il a même pas fait exprès. Hey, c'est un gamin au marque. Il y a un mec qui a fait un accident de chariot, il se moque de lui. Tiens. Il va faire un constat avec le chariot. Il a même pas fait exprès. Je prépare. Ouais, vas-y, prépare. J'en prépare pour barrière à 4. Ouais, vas-y, un chacun. Alors, toi, tu vas en mettre tout le pot. Non, c'est horrible quand t'en mets beaucoup. Attends, tu vois. T'as déjà goûté? Ouais, j'ai déjà goûté. Ça vient tout juste du Canada. Ah bah ça c'est pour Adam, dédicace à Adam. Allez. Préparation en direct les gars, pancake à la mode Canada. Hey, les sushis ils étaient bons en vrai. T'as vu? Ça glisse. En fait les sushis c'est une valeur sûre. T'as déjà eu des sushis pas bons? Après tu tombes malade. Les sushis, il a dit c'est pas bon. Le jour où Younes il a vraiment goûté. Wesh, j'en ai beaucoup. Allez, je pars pour la dégustation. Je prends celui-là moi. Oh non.
prenez chacun votre pancake. Ah, il pas le plus. Tu nous attends pas. Oh, là, c'est délicieux. Sérieux? On va voir si il m'entend. C'est superbe. Alors Riyad, j'ai trouvé mon sosie. Il a même pas goûté, il a fait ça avec sa main. Du genre c'est grave bon. Ah, non mais c'est grave. J'ai trouvé mon nouveau sosie, Sofiane. Il a même pas mis la bouchée dans sa bouche, il a dit c'est bon. Non parce que c'est irréduirable. Ceux-là ils sont incroyables. Super stylé. Et pour finir, un giga tacos. Je vois si vous êtes capable de manger ça. Ou juste un gros tacos, ok? Oh, ça va être bon. En vrai là, le temps, regardez les gars. On dirait vraiment au Canada, Adam. Adam, il ramène même si on danse pas bien. T'as vu, là, le temps. Et toi, avant, tu m'avais dit que t'aimais bien, t'aimerais bien vivre là-bas. Ouais, non, vivre là-bas, ça peut être bien niveau culture et aussi... Par contre, les gars, moi, j'accélère, il y a une tempête, smehlée. Moi, je suis au tacos, désolé. Oh là 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 là, les frères. Il y a une tempête de malade. Ah là, vous courez, hein. Là, il a esquivé une dame de justesse. J'ai failli me prendre des chinois. T'allais faire un accident de chariot comme l'autre. Bon, là, je vais vous laisser commander. Sophie, il est où, Mskay? Ah, Sophie, il a pas souhaité courir. Bah, ouais. Tu sais quoi, on va prendre deux tacos, on lui en prend pas pour lui. Vas-y. Compose ton tacos. Il y a quoi comme tacos? Vas-y, bah, je vous laisse en prendre deux bien. Prends-en un gratiné. Et ça j'ai va jamais être. Goûté un gratiné. Un gratiné, t'as jamais goûté? Vas-y, on va faire ça. Y'a quelqu'un? Il est où, Sophie? Tu cours pas, toi? Hein? Tu cours pas, t'es tout dans le calme et la détente. C'est Dieu, il m'a offert la pluie, je suis content. Regardez le couteau qu'il m'a ramené, les Rey. J'ai grave peur. Les tire. Je tire. Du coup, vraiment, fais gaffe. Hein. Bon, il y a deux tacos. On est quatre. Déjà, Sofiane, il a son tacos et mon gars sûr. Vous allez vous battre pour le deuxième tacos. Enfin, vous battre. Vous allez avoir une petite épreuve. Ouais. Écoutez-moi bien. Marche du félin. Comme ça, vous touchez le mur, vous revenez. Celui qui fait le moins de temps, le tacos, il est pour lui. Let's go. Allez, bombarde, 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 bombarde. Touche. Je crois que j'ai un allié. Reviens. Okay. Oh, le temps qui a été perdu. 7 secondes 30. Le temps qui a été perdu. Omar, vas-tu te gagner? Vas-y. 3, 2, 1, let's go. Bombard. Ne pèse pas, surtout ne pèse pas. 5 secondes. Oui. Non, mais moi aussi j'ai perdu du temps à cause de ça là. Oh, vas-y, Omar, je vais t'essayer t'asseoir, je vais prendre la caméra. Différentes saveurs. Attends. Oh yo yo yo, tape-nous un vrai croc. Toute sa vie. Garde tes mains. Oh putain. Ok, vas-y Sofiane. Oh, il y a deux gratinés. Oh, le gratiné Lidl. Ah, il plus la merde, fais voir. Regarde mon gratiné. Waouh, gratiné au caca. Il est trop bon. Ah, merguez. Super bon. Donc celui-là c'est merguez et celui-là c'est poulet. Frappe atomique. Hyper bon. Coupe-le en deux, Sofiane, coupe-le en deux. Ah, mais en ça, tu manges vraiment, tu lui donnes pas. À qui? Ah, Yad. Là, mais je le retiens. C'est là. Prends, bah, Yad, prends, wesh. Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur? Waouh, incroyable. Vas-y, dis-nous si c'est vraiment exceptionnel, Yad. Bon, vous savez toujours l'avis du chef. Obligé. Obligé, Ray. Ouais. C'est ça ton croc d'enfant là? Tu veux pas? Là, son croc d'enfant. Est-ce que... Alors, montre-lui c'est quoi les hommes. Montre-lui les hommes, vite fait. Voilà, viens, on fait la chaîne de la truc légendaire. C'est le plus gros croc. Vas-y, moi. Premier, à toi. Enchaîne. Oh, quand même, il a fait un sacré. Sofiane, montre-leur ce qui est le papa. Eh oui. Eh oui. Eh oui, eh oui. Je suis obligé de le checker, je suis obligé. C'est lui le padré. Mais sinon, ça. Rappelle, est-ce que tu te rappelles en 2013 qu'on faisait des défis comme ça où c'était ceux qui faisaient le plus gros? Ouais, gros. C'était une dinguerie. Incroyable. Donc, les Rey, on a bien relevé le défi. Les tacos sont là, c'est super bon. Merci à Adam d'avoir joué le jeu. Et vous êtes obligé de dire une phrase en québécois pour lui, ou tu lui dis un petit message en québécois de son accent. Adam, où est ta mère? Merci Adam de ce magnifique repas. Pas mal, pas mal. Vas-y Yann. Ah, je sais pas dire moi. Fais, dis, tu dis ce que t'en penses. Attends, qu'est-ce que je fais? J'ai super bien kiffé le vol cachet de la dame. Moi personnellement, je sais pas faire truc. Mais je vais dire un petit mot québécois. On va dire... ils disent quoi en québécois?
Tabarnak. Ouais, on sait pas si c'est un gros mot. On sait pas si c'est un gros mot. Imagine si Jupiter est une éclate. Oh là, on est mort. Excusez-nous si c'est un gros mot. Bon les gars, on arrive à la fin du 24h. Je parle pas trop fort parce qu'Issa il est en tournage pour la chaîne des Zinx. J'aurais jamais vu croire ça de ma vie, Issa qui joue à Fortnite. Mais voilà, Fortnite c'est devenu n'importe quoi. C'est, je dois tuer des sangliers, je dois. Et un mec qui se téléporte sur moi, je sais pas c'est qui. Attention. Le Fortnite que je connais, c'est pas sûr. Il y a un mec là-bas. Non, Younes. Les frères. Younes, t'as pas fait ça. Les frères, préparez-vous à avoir mon premier kill sur Fortnite. Y a quoi? J'arrive. Je maintiens la caméra, j'arrive tout de suite. Je vais faire un changement. Excuse-moi. Mais y a un mec là. Taisez-vous. Attends, qu'est-ce qu'il va faire là-bas lui? Oh non, il prend encore le pistolet. Bon les gars, moi je vous laisse là. N'oubliez pas de mettre un maximum de likes, abonnez-vous. Merci à Adam aussi. Et il va encore mettre le pistolet dans son cul, encore une fois. Ah, c'est bon, allez, salut.